Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. Et oui, ce n'est point Zelda. Zelda est repoussé finalement, c'est compliqué. J'ai pas encore fini le jeu, hein, vraiment. Donc pour faire une vidéo, ça risque d'être compliqué. Et puis, bah, je me suis pas rendu compte, mais ça va demander beaucoup de boulot de faire un test sur Zelda. Et donc en attendant, nous avons un test sur Sonic Force, qui est sorti en 2017. Il me semble mois d'août 2017, un truc du genre. Ou septembre. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait quand même quasiment un an déjà. Oui, ça fait un an. Ça fait déjà un an. Plus d'un an que ce jeu est sorti. Alors, nous avons l'épisode Shadow, qui est un truc qu'on débloque plus tard, je crois. Qui est un DLC gratuit. Alors, nous avons un mode option. Voilà, ça c'est classique, hein. Ah, il y a les graphismes en difficile, tout ça, blablabla. Classique, hein, audio, la manette qui bug. Pourquoi il y a un bug là? Ça bug plus? Non, c'est bon. Voilà, il y a rien tout à montrer, hein. C'est les options, quoi, vous voyez. Le mode cinéma. Qu'est-ce que c'est? Alors, mode cinéma, bah, ils vont un peu loin dans le mot quand même. J'aurais plutôt dit juste mode cinématique. Ou cutscene, je sais pas. Enfin bon, mode cinéma, c'est toutes voilà, les différentes cinématiques du jeu. Et je pense vous montrer la cinématique d'introduction, qui est plutôt pas mal, voilà, qui reflète un peu l'histoire. Mais bon, elle est assez simple, hein, c'est pas... C'est un Sonic, ça reste un Sonic. C'est pas une histoire un petit peu, on va dire, un petit peu profonde comme Sonic Adventure 2 ou Sonic Adventure DX. Adventure 1. La manette a l'air de bugger, par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je branche cette manette en même temps sur ce jeu. Avant j'avais une manette Xbox 360, là maintenant c'est une Xbox One, mais qui n'est pas complètement officielle. Je vais vous mettre la cinématique. Sonic, comme je le déteste, et j'ai concentré toute cette haine dans cet invincible instrument de destruction! Chaque défaite, chaque humiliation que m'a infligé ce maudit hérisson lui sera rendue au centuple! Par mon invincible grâce, mon rêve va enfin se réaliser. Grâce à cette brillante invention, je vais pouvoir repousser les frontières de Eggman Land et dominer le monde! Moi! Ok, patron, rigole pas cette fois-ci! Voilà! Quelle cinématique! Bref, je peux vous montrer les autres, hein, parce que bon. Voilà, faites le jeu, ou vous avez peut-être déjà vu un let's play, je ne sais pas. En tout cas, nous allons mettre continuer. Et voilà, l'image que vous avez vue avec la petite fleur, ça veut dire que c'est la paix dans le monde, tout ça. Et que j'ai fini le jeu. Et vous, normalement, vous avez un autre fond d'écran pour le jeu, voilà, au début. Un autre menu principal. Donc on va sélectionner les niveaux plus facilement comme ça. Et en fait, plus on avance dans l'aventure, plus on gagne en fait du terrain face à Eggman. Au début, il a 99% de la planète appartient à Eggman. Parce que Sonic est dans la merde, il s'est fait défoncer par Eggman. Il a été retenu prisonnier assez longtemps. Mais voilà, après il s'en est sorti comme d'habitude et hop, il gagne de plus en plus de terrain. Eggman est dans la merde, il a plus que... Il a même plus un hectare à la fin et c'est la catastrophe. Et voilà. C'est fou. Et c'est aussi ainsi que Naki, un nouveau méchant. Je réfléchis, je ne sais plus son nom en fait. C'est tellement plaisant à parler. Bon, on va faire quoi? On va faire Lost Valley, c'est vraiment une blague. Enfin, je vais vous montrer quand même, mais bon. Le premier niveau, c'est un peu une blague quand même. On peut prendre Shadow ou Sonic. C'est juste pour la skin. Hein. Sinon ça revient au même hein, niveau jouabilité. Et voilà, je vais vous montrer. Bah déjà c'est très joli, c'est fluide. Dans n'importe quelle version, à part la version Switch qui est pas très fluide. Mais sinon oui, c'est beau. Enfin c'est du 30 FPS, mais qui veut jouer à un Sonic à 30 FPS purée, aujourd'hui? C'est pas possible. Bref, nous avons une version Switch qui est en 30 FPS. Et 720p. Et sinon, version Xbox One et PC,
et PS4. Xbox One, PS4, 1080p, 60 fps sans broncher. Et sur PC, on peut aller au-delà, voilà, moi je suis en 4K. Hop. Forcément. Ah purée. Et ce jeu, je peux vous lire que en 4K, ça pète. Il n'y a pas un pet d'aliasing, forcément. Et bon, je sais pas si vraiment vous allez le voir, parce que la vidéo, elle sera en 1080p. Parce que connexion, voilà. Oh, on défonce tout. Et là, par exemple, je fonce. Et vous verrez des pixels. Parce que YouTube. Voilà, toute une explication. YouTube, mais... qui mettent le bitrate limite à zéro quand ça... quand c'est rapide. Comme ça, c'est bien dégueulasse. Vous aurez des pixels. Ne me remercie pas. Remercie à YouTube. Il faut remercier YouTube, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, ce niveau, c'est un peu une blague, parce que c'est une vaste blague, parce que voilà, j'ai rien fait. J'appuie sur X, j'ai avancé. Et là, je vous assure que ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à ce Sonic Force. Et voilà, j'ai... En temps normal, j'aurais oublié un petit peu quand même le level design. Mais voilà, c'est tellement simple que même si on est nul, qu'on appuie sur X avec le stick vers l'avant, bah on y arrive. Voilà. Bon, tous les niveaux ne sont pas comme ça, heureusement. Il y en a beaucoup, mais... Bon, par exemple, Egg Gate, il y a un minimum de technique. Je vais vous montrer, c'est l'un de mes niveaux préférés. Il est vraiment stylé, ce niveau. Et aussi, dans ce Sonic Force, on a trois types de gameplay. On a le gameplay classique avec Sonic, comme vous pouvez le voir, Sonic moderne. Il y a aussi Sonic classique, comme on avait dans Sonic Generation. Donc du coup, bah, Sonic Generation, il a plus sa patte à lui-même, hein. Il a plus sa magie, sa particularité, voilà. Vu que Sonic classique existe aussi dans ce jeu-là. Dommage. Mais on a un troisième gameplay, voilà, qui est... c'est une grande nouveauté. C'est l'avatar, voilà, on peut se créer un avatar. Enfin, même, on est obligé de créer un avatar. Enfin, c'est vraiment à la mode en ce moment, les avatars, hein, que ce soit dans Dragon Ball, que ce soit dans... dans d'autres jeux. Dans Dark Souls, etc, tout ça. Il faut absolument créer des avatars. Et bref, dans ce Sonic là, bon, on n'a pas un large choix au niveau des avatars, en même temps, bon, c'est l'univers de Sonic. J'ai envie de dire, les différents personnages, c'est un peu compliqué de faire des personnages vraiment différents quand même. Et stylé. Voilà, il y a des petits QTE. Par exemple, il faut bien attendre au bon moment pour gagner le plus de points possible. Mais sinon, si on veut aller vite, bon, on appuie direct. Et même si on appuie avant, et bah, on s'en fiche. Hein. On peut bourrer, on esquive quand même. Donc voilà, les phases de QTE, c'est quand même très très simple. On ne peut pas mourir. Bref, voilà. Mais au moins, c'était spectaculaire avec cette mise en scène à l'étoile noire style de Star Wars. C'est beau. Que là, on va tout droit dans le Deck Egg. Et Deck Egg, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une espèce de satellite d'Eggman qui ressemble énormément à une planète. Bah, il me semble qu'elle est faite de composition via la Lune, un truc comme ça. Et voilà, qui lui permet de diriger la planète. Alors, c'est un peu l'étoile noire de Star Wars. Voilà, Deck Egg. Quel niveau on peut choisir? Si, bon, on va mettre le niveau du haut, il y en a certains. Des niveaux du haut. C'est plutôt bien trouvé. Ah, par contre, j'ai pas la bonne arme.
Il me semble... Non, j'ai pas la bonne arme pour ce niveau-là. Il y a une technique... Mince, c'est pas là-dedans. Pourtant, j'ai fait quitter. Bah, bizarre. C'est la mise dans les options. Voilà, donc pour ça, il faut aller dans Avatar. Whipson, en fait, c'est les armes. Et on va prendre... Bon, on va prendre celle-là. C'est, en fait, ça, c'est un fouet. Et purée, le stick qui fait que de bugger. Voilà, il bouge à la vitesse de l'éclair, près de ring ou d'ennemi. Quand on appuie sur Y, ouais, c'est son pouvoir spécial et c'est ça qui est intéressant dans ce niveau-là. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait si on peut s'arrêter là. Non, voilà, là par exemple Sonic il court tout seul, voilà c'est bon. Et voilà, quand on appuie sur R2, et eh ben le personnage secondaire se met à attaquer. Et c'est l'avatar, voilà. Donc moi j'ai fait un chat à l'arrache. Avec un t-shirt Knuckles, vu que j'adore Knuckles, et je me souviens de. Voilà, prends ça. Voilà, et on peut faire de manière différente le niveau avec l'avatar ou seulement avec Sonic. Bon, des fois il y a des phases comme ça, mais elles servent pas à grand chose, on joue pas en fait. C'est ça le problème. Et c'est le gros problème de Sonic, c'est qu'au moins dans Generation, il y avait des phases où on jouait pas trop. C'est plus spectaculaire, mais il y en avait pas beaucoup. Et là, il y en a trop. Là, dans chaque niveau, il y a au moins 30 secondes de moment où on joue pas. Et le niveau dure une minute. Peut-être que je grossis peut-être vachement le truc, mais quand même. On n'est pas loin de ça. Là, je me concentre parce que c'est pas très simple. Hop. Les musiques sont plutôt sympas, voilà, les musiques que vous entendez en fond. C'est très techno. Bah, c'est du Sonic. Allez, maintenant il n'y a plus de rock, hein. Maintenant c'est de l'art techno. Pas en chou. Mais voilà, la bande son est quand même sympa. Bon, c'est quand même moins bien, c'est vachement moins bien que Sonic Adventure 1 et 2. C'est quand même un autre niveau. Ça reste très sympa à écouter. Voilà, après pour moi. Ah bon, j'ai terminé un truc en équipe, c'est génial. Ça, on s'en fiche un peu. Ça, c'est le bonus, des fois, on peut avoir des cadeaux là pour notre avatar, de nouveaux déguisements, tout ça, mais bon, c'est... Souvent, c'est des déguisements assez ridicules, quand même. Hop. Moi, je me suis pas attardé là-dessus, c'est pas... Pour les plus jeunes, c'est peut-être bien. Mais bon. Voilà, ça, c'est différentes missions, bah, je fais jamais, hein. C'est pour... augmenter la durée de vie partiellement. Il est bon. Sinon, il y a... Là, c'est le niveau classique. Mais, tout en dessous, il y a des niveaux, voilà, avec des cadenas. Je les ai pas tous déverrouillés, d'ailleurs. Je crois qu'il en reste deux, des cadenas. Parce que j'ai pas récupéré tous les anneaux rouges. Parce qu'il faut avoir des anneaux rouges pour débloquer ces niveaux-là. Les anneaux rouges qu'on débloque... Enfin, qu'on trouve dans les niveaux, il y en a généralement 5. Voilà, et quand on les a tous récupérés, ça fait un anneau rouge avec une étoile et des ailes jaunes. Voilà. Quelle explication. Et les derniers niveaux, là, tout en dessous. Ceux-là, je sais plus comment on les débloque vraiment. Ah non, en fait, non, c'est ceux-là qu'on débloque avec les anneaux rouges. Et ceux-là, on les débloque juste comme ça, en fait. C'est au fur et à mesure. Enfin bref, ce sont des petits niveaux assez spécifiques, bon, mais c'est vite fait, hein, c'est pas des niveaux de fou. Par exemple, le canon de feu, qu'est-ce qu'on va prendre? Qui était pas mal. C'était un bloc fragile, je crois que c'était plutôt amusant. C'est avec l'avatar, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on peut péter les blocs, et l'objectif, c'est des fois d'utiliser les blocs pour pouvoir avancer.
Bon, c'est pas un truc de fou, il y a des petites idées comme ça qui sont plutôt sympas, mais... Enfin, c'est pas... Ça reste quand même assez simple. Et en fait, le gros problème aussi de ce Sonic, c'est que les développeurs qui ont fait Sonic... Fichtre. Bah, à la base, c'est ceux qui ont fait Sonic Generation et Sonic... J'y arrive point. Et Sonic Unleashed, il me semble, voilà. Le problème, c'est que... C'est que pas mal de ces développeurs, quand même, il y a eu de nouveaux développeurs, il me semble, qui ont fait surface pour faire ce Sonic. Et le problème, c'est que c'est eux qui s'occupent, en fait, de Sonic Rush, ou je sais plus quoi exactement, comment il s'appelle, sur Android. Ça annonce la couleur, quand même. Donc on se dit, oula, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça va être un espèce de jeu Android, quoi. ça va pas être fou. Et en effet, oui, c'est vrai que ça fait quand même un minimum penser à un jeu d'Android, parce que c'est... Les plateformes, on voit qu'elles sont assez simples, c'est pas très recherché, c'est généralement pas compliqué. Et on en arrive assez rapidement à bout, en plus, de jeu. Et je vous avoue que 40€, parce que moi je l'ai acheté à 40€, ça fait un peu mal. Alors dans Generation, j'avais acheté à peu près à ce prix-là aussi. 35, il me semble. Parce que ça faisait un petit moment qu'il était déjà sorti. Et voilà, Generation, franchement, je donnerais même à 60€, il serait rentable. C'était pour moi quand même un très grand Sonic, vraiment un bon Sonic, hein, aussi bon que Adventure, les deux Adventures. Alors que là on est vraiment bien en dessous. Ce serait que visuellement ça donne envie, tout ça, ça va vite, tout ça c'est beau. Mais voilà, déjà le fait que le jeu soit beaucoup moins cher que le prix de base finalement, qu'il soit vendu, à la base il voulait le vendre comme un triple A, basique, hein, 60€, comme les anciens Sonic. Et finalement... Ils se sont dit, non, notre jeu il est pas non plus hyper fou, donc 40€. Puis la presse elle a quand même pas mal démonté. C'est aussi ça le problème. Je pense que c'est principalement là-dessus que le jeu n'a pas été vendu, enfin n'était pas très, très cher. Et malgré ça aussi, il s'est pas très bien vendu. Bref. Voilà, est-ce que moi je vous le conseille? Franchement, même si vous êtes un gros fan de Sonic. Pas vraiment, ou alors à 20€. Voilà, mais pas vraiment plus, 25, allez, vite fait. Après, j'avoue que c'est vrai qu'il y a des jeux, on peut pas dire que ça n'a pas de prix, voilà, mais celui-là, c'est compliqué. Ok, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Voilà, il y a un niveau qui m'a vraiment déçu, c'est le niveau Sunset Hide, c'est le niveau qui a été montré lors du trailer. Et ce qui me faisait peur aussi, c'est que pendant le trailer, il était très, très linéaire. Donc je me suis dit, purée, ça doit être le premier niveau du jeu, limite. Et bah non, c'est niveau 15. Bien sûr. C'est l'acte 15, le gars. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a oublié de mettre l'acte 2. Après, il s'est dit, mettons-le plutôt à l'acte 15. Parce que l'acte 2, ça va être un autre niveau qui va être assez oubliable avec l'avatar. Ouais, même l'acte 2, il est beaucoup plus enrichissant que ce niveau. Purée. Voilà, on saute. Voilà, on va de plateforme en plateforme. Voilà, hop. Petit monde de plateforme, vite fait. Hop, on fonce. C'est beau, c'est joli. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est pas ça qui va améliorer ma skill. Bah, donc, pour moi, voilà, ce Sonic, c'est une grosse déception. C'est surtout en partie bah, pour son gameplay. Et puis, voilà ce qu'on a vu du trailer. On n'a pas vu tout le niveau.
Ils nous ont montré une minute, et en fait il restait 10 secondes. Non mais vraiment. Ils ont montré quasiment tout le niveau, et quand souvent dans les trailers ils montraient les niveaux, vite fait, généralement ils montraient presque tout le niveau, parce que les niveaux aussi, je vous ai pas dit, mais les niveaux sont hyper courts. Attendez, regardez. 2 minutes 11, on va dire, ça passe. Mais bon, en même temps, c'était un niveau en 2D avec Sonic classique. Mais les Sonic modernes... voilà, Sonic moderne, 1 minute 32, 1 minute 45, 1 minute 51. Mais c'est la durée des niveaux dans Sonic Generation, des tout premiers niveaux. Après, dans Generation, à partir de l'acte 3, avec Sonic moderne, on était plus dans les 2 minutes 30, 3 minutes. Bon, j'exagère, mais après, évidemment, moi je le speedrun, donc bon, ça fait moins longtemps que ça. Mais là, celui-là, Sonic Force, je speedrun pas du tout, je joue un peu vite fait, comme ça. Et voilà, les niveaux sont très rapides. Il suffit de 20 secondes en moins à chaque niveau par rapport à l'ancien Sonic. Ça paraît beaucoup, quand même. Ça paraît pas énorme comme ça, dit comme ça, 20 secondes, mais c'est beaucoup. Quand on joue. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, un niveau avec Sonic classique qui m'a vraiment déplu en plus, c'est celui-là. Et parce que oui, Sonic classique, parlons-en de Sonic classique. Alors, vidéo test, il va pas être très long, hein. J'ai des choses à dire, mais... Après, j'ai pas trop le temps en plus, là. Donc je pense qu'il a duré que 30 minutes à peu près. C'est bon, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, c'est... Ce Sonic-là, voilà, c'est une déception. C'est un jeu très très moyen. Les gens qui disent que Sonic-là, il est mieux que Sonic Lost World... Non mais what? Déjà, j'avais fait un vidéo test il y a longtemps de Sonic Lost World. Il me semble, oui. J'avais dit mon ressenti et tout, et pour moi, c'était quand même un bon jeu. C'était pas trop dans l'ambiance Sonic, c'est vrai, mais... ça restait un très bon jeu, quand même. Et voilà, voilà, voilà. Gros point faible, là, vous l'avez vu. Je fais le spin dash comme ça. Ça vient de... Le spin dash dans les airs, là. Ça vient de Sonic Mania, qui est sorti précédemment, juste avant. Qui, lui, est un bon Sonic. Fait par les fans. C'est quand même fou que maintenant, Sega, ils arrivent plus à faire... C'est quand même leur propre licence et ils font des moins bons jeux que les fans. C'est pas normal. Enfin, bref. Le problème, c'est quand on fait ce spin dash, eh bien... si par malheur on tombe, eh bien il tombe vraiment mais comme une pierre. C'est pas comme dans Sonic Generation où au moins la gravité elle avait un sens. Là, regardez. Ah quoique là c'était plutôt pas mal. Attendez. Ou alors comme ça là, en faisant spin dash tout court. Ah c'est pas si pourri que ça. Bon ça dépend des endroits en fait, mais la plupart du temps il tombe comme une pierre et ça c'est pas très normal quand même. C'est mal fait. Puis même quand on... Ils ont un peu amélioré quand même l'inertie de Sonic quand on bouge comme ça, quand on saute dans les airs. On peut... Voilà, on peut se remettre. Si on veut pas sauter à gauche, oh voilà, on se remet à droite. Mais bon, c'est pas ça qui justifie quand même ce gameplay déplorable. Car à côté de ça, voilà, la physique est très étrange. Voilà, rien que là, voilà, pourquoi j'ai fait un espèce de saut à gauche comme ça sur le mur. Il a fait un moon jump, je sais pas trop quoi, là. Et puis même là, j'arrive à peine à le diriger à droite à gauche, maman. Ah, voilà, ça passe. La première fois que j'ai fait ce niveau, j'étais vraiment resté longtemps, parce que je trouvais ce gameplay tellement bizarre, en fait, il est pas naturel. C'est un peu comme Sonic the Hedgehog 4, sauf que là, c'est pire. Là, on a l'impression de diriger, je sais pas, la version bêta de Sonic. On a l'impression que Sonic classique, c'est la version bêta, en fait. C'est le problème, alors que... Je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Dans Generation, c'était parfait. C'était pas aussi bien que les Sonic 2D, c'était différent. Ça, c'est... Alors, moi, perso, j'aime autant, mais il y a beaucoup de fans qui préféraient Sonic 2D. En tant que... au niveau de la physique. Mais pour moi, voilà, la physique de Sonic classique dans Generation était quand même aussi bonne. Elle était juste un peu différente. Là, par contre, je l'avoue,
c'est injouable. Et heureusement qu'on a des niveaux faciles. Même à la fin, heureusement que les niveaux sont pas très difficiles. Il y a un minimum de difficulté quand même, hein, vers la fin, mais ça reste quand même très simple. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah si, hein, bah, si, les niveaux avec les l'avatar. Bon, j'ai un peu la flemme de vous montrer les différentes armes de l'avatar. Après, il a un lance-flamme, il a un fouet, il a quoi d'autre? Il a une autre arme, mais je sais plus trop ce que c'est. Attends, on va peut-être voir. Ça va peut-être me rafraîchir la mémoire. Voilà, armoire, sauvegarde, modifie des tenues, nouvel avatar, créer un nouvel avatar. Ça on peut le faire que en finissant le jeu. Au début, on peut pas faire un nouvel avatar. Voilà, il y a ça. Ça souffle, ouais, avec une onde de choc. Bon, c'est pas glorieux, ça c'est un marteau, je crois, oui. Ça change les ennemis en cubes. Et après, il lâche des anneaux. Bon. Voilà, on peut forer les ennemis aussi. Voilà, bon, il y a quelques armes sympas. Après, globalement, c'est toujours des copies, hein, juste avec des bonus en plus. Alors, si on a une, c'est permet d'effectuer des séries d'attaques câblées plus rapidement. Voilà. Je sais pas, on attaque plus rapidement. Donne une pointe de vitesse à l'atterrissage. Voilà, on a plusieurs petits bonus comme ça. Mais bon, moi, globalement, je préfère garder le fouet. Pour moi, c'est la meilleure arme. Mais c'est vrai qu'il y a certains niveaux qui peuvent être mieux avec d'autres armes. Qu'est-ce que je peux prendre du coup? Bon, je pense qu'on va encore se faire deux niveaux et après on va se quitter parce que j'ai vraiment pas trop le temps. Metropolitan Highway. Ah, c'était ça. Bon, je vais vous montrer d'abord ce niveau-là. Il me semble que c'est avec le thème principal du jeu. Ah non. Non, c'est un autre niveau, il y a le thème principal du jeu en fond. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Hop. En tout cas, moi, franchement, de base, je me suis dit, si il est comme Generation, et vu que c'est les mêmes développeurs, à peu près, je me suis dit au début, bah, franchement, je pense que j'aurais du speedrun à faire. Et finalement, ça m'a refroidi. Il n'y aura pas de speedrun sur ce jeu, désolé. Il n'est pas assez bien pour moi. Ouais, il est très moyen, quoi. Et pour moi, bah, si c'est un jeu de si c'est un personnage qu'on connaît pas, si c'est de la plateforme comme ça, fait par, je sais pas moi, une petite équipe, on se dit, bah oui, pourquoi pas, c'est un bon petit jeu. Mais là, c'est pas une petite équipe, c'est quand même un gros jeu, c'est un Sonic. Tout le monde connaît Sonic. Tout le monde s'attendait quand même d'un bon jeu. Enfin, même si c'est vrai que Sonic, quand même, il a fait des siennes ces derniers temps. Mais quand même, avoir quelque chose de... Bon, au moins du niveau de Sonic Lost World, qui était plutôt sympa. Et au mieux du niveau de Sonic Generation. Et en plus, ça voulait tout dire quand on voyait fait par les créateurs de... Enfin, en tout cas, il y a certains développeurs qui ont bossé sur Sonic Unleashed et Generation. Quand même de bons jeux. C'est Unleashed. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le critiquent par ses phases de loup-garou. Mais globalement, si on enlève les phases de loup-garou, c'est un très bon jeu. Surtout sur Wii et PS2. Les niveaux sont quand même plus inspirés. Et voilà, et là il y avait tellement un gros potentiel dans ce Sonic Force. Déjà, vous avez vu la gueule du niveau, là, je pense l'acte 15, c'était ça, oui, Sun machin high, là. Qui était montré, le premier acte a été montré dans le trailer, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a quand même... c'est quand même une ville qui est en... comment dire... qui se fait attaquer, etc. Et c'est vachement... c'est vachement stylé, quand même. La patte artistique, comment on appelle ça, la direction artistique est très bien. Et techniquement, c'est très propre aussi, c'est très beau. Il manquait plus que un level design. Bah oui, mais il est passé où le level design? Il est où? Ah bah il est parti. Ah, il est parti en vacances. Il est parti plein d'un peu de congés.
Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Ah, je vous ai pas montré de boss. Bon, je sais pas si c'est... si on peut vraiment appeler ça des boss. À part le boss final, qui est un minimum bien. Après, ça fera du spoil. Après, il est où le niveau du... Versus Infinite. Non, c'était assez simple, en plus, c'est Infinite. Qu'est-ce que je peux montrer? Que puis-je montrer comme niveau? C'était pas lui? Non, c'est pas lui. Fiche-toi, pourquoi ça fait ça? Je voulais juste sélectionner un autre niveau. Pas ça. Pas ça. Non, pourtant il est vachement stylé ce niveau, mais... Il est surtout stylé visuellement, quoi. Ah voilà, c'est celui-là, je crois. Plutôt pas mal. Voilà, avec la musique aussi. Purée, mais... Hop. Bon, et je l'avais déjà, j'avais fait un bon temps à ce niveau-là, mais là je vais pas battre ce temps évidemment. Hop. Il est pas si simple que ça, on peut tomber facilement. Ben voilà. Bon, on est fait, quoi. En plus, la musique là, elle recommençait là. Puis oui, je suis tombé au pire moment. Voilà, vous voyez, la bande son elle est pas folle, mais il y a certains thèmes qui sont plutôt sympas. Bon, pas. Pas inoubliable comme on avait à l'époque avec Crush 40, puis oui. Crush 40, les gars. Et en plus. Et en plus, dans le nouveau Sonic, qui va sortir le nouveau Sonic Racing là. Eh bien, je pense que Crush 40 seront de la partie, parce qu'en tout cas, ils ont fait le thème principal de ce nouveau Sonic. Qui s'intitule The Green Line... un truc du genre, The Green Line, je sais plus quoi. La ligne verte, oui, en faisant référence à la ligne verte, comme film. C'est magnifique. Alors, je sais pas s'ils ont fait référence à ça. Ça m'étonnerait. The Green Line White, un truc comme ça. Hop. Bon voilà, 2 minutes, voilà, si on joue normalement. 2 minutes à peu près de le niveau. C'est assez court quand même pour un niveau final, hein. Enfin pour un niveau rendu loin dans le jeu quand même. C'est vraiment la fin là, là. C'est quand c'est la guerre là entre les animaux et Eggman, attention. Une grande guerre. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer, allez. Petit bonus, je vais vous montrer vite fait. Un niveau avec Shadow. Quand même. Ah quand même, Shadow, il a la classe, il a la carrure. Ah purée, par contre. Si voilà, je voulais montrer ce niveau-là, parce qu'il a un thème particulier. C'est un remix d'un thème qu'on avait déjà dans Sonic Adventure 2. Dans Green Forest, il me semble, un truc comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même bien de montrer ce niveau, car il a une particularité, c'est qu'on glisse sur des toboggans aquatiques. Hop. Et ces niveaux-là, franchement, sont plutôt pas mal, hein. Ils sont plutôt assez réussis quand même. Parce qu'on dirige... C'est assez chaud de diriger Shadow ou Sonic. Mais voilà, c'est... Ça reste assez précis quand même.
C'est vraiment nous qui on joue vraiment. Hein. Pas comme dans d'autres phases. Et ça, c'est bien. Là, par exemple, faire hyper attention. Ou je suis juste de la chance. Et voilà, c'est fini. La musique a à peine commencé. Voilà, c'est ça le problème. En plus, c'est la musique, ce remix, il est énorme. Moi, j'ai bien aimé ce remix. Et le problème, bah, pour vraiment écouter ce remix, bah, j'ai dû m'arrêter. Voilà. Parce que niveau trop court. Enfin, bref. Vous avez compris, grosso merdo. En conclusion, ce jeu, c'est une déception. C'est un Sonic, voilà, très moyen, au niveau de... Enfin, j'hésite pas à le dire, hein, c'est quasiment au niveau d'un Shadow the Hedgehog. Hein. Voilà. Enfin, même Shadow the Hedgehog, il avait beaucoup plus de contenu, mais il était chiant, c'est ça. Là, au moins, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans Sonic Force, mais il a... Voilà, il a pas assez de contenu, les niveaux, le level design n'est pas assez inspiré, c'est très simple. Ça peut passer sur un premier niveau, mais après, voilà, sur on enchaîne les 15 niveaux, c'est souvent assez répétitif. Y a pas des idées de fou. Bon, voilà, il y a quelques petites idées quand même, comme par exemple, voilà, le niveau que je viens de vous montrer qui est assez sympa, là, en toboggan aquatique. C'est pas le seul, hein, y a un autre niveau comme ça aussi avec Sonic. Ou deux, peut-être, je sais plus. Mais voilà, en tout, il y a 30 niveaux. Est-ce que ça fait beaucoup? Si tous les 30 niveaux durent à peu près qu'une minute ou deux minutes, c'est pas énorme. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.